Nous sommes à Palerme, au nord de la Sicile. Cette ville est la plus densément peuplée de l'île, avec 650 000 habitants vivants. Pourquoi cette précision? Eh bien parce que, sous mes pieds exactement, se trouvent plusieurs milliers de momies. Pourquoi des momies en Sicile? Pourquoi confier son cadavre à une communauté religieuse, les Capucins? Comment même se passait cet embaumement? Voici le voyage auquel je vous convie aujourd'hui. Une enquête aux sources d'une pratique funéraire très originale, qui trouve ses sources au XIe siècle. Les momies siciliennes. Mon nom est Philippe Charlier. Je suis médecin légiste, anthropologue et historien. À travers des lieux magiques et des rites vivants, je vous emmène à la découverte des grands mythes de l'humanité. La Sicile, l'île aux trois pointes, se situe en Europe méridionale, au cœur de la mer Méditerranée. C'est sans doute pour cela que Palerme est, depuis l'Antiquité, une importante plateforme commerciale, pivot de la route de la soie, des épices et des esclaves. Que ce soit les marchands, les pèlerins qui voyagent jusqu'en Terre Sainte, les intellectuels qui suivent les chemins du savoir, ou les congrégations religieuses, tous se sont arrêtés un jour en Sicile. L'île fut tour à tour sous la domination romaine, byzantine, normande, arabe, allemande, aragonaise, autrichienne et pour finir italienne au XIXe siècle. Autant dire que Palerme, comme toute la Sicile, a toujours été un carrefour intellectuel d'une incroyable vivacité, propice aux échanges et aux innovations. Bonjour Louisa. Bonjour Philippe, ça va? Ça va bien, merci. Vous êtes la spécialiste mondiale des momies siciliennes. Ça fait 10 ans que vous travaillez sur ce sujet. Exactement. Quelle drôle d'idée. Pourquoi avoir choisi les momies comme sujet d'étude? Je suis restée intéressée à les mystères des momies et les significats de la mort pour l'homme et la recherche de la longévité et de la vie éternelle. Vous êtes en recherche vous-même de la vie éternelle ou plutôt celle de vos... Peut-être. Peut-être, d'accord. Bon, en tout cas, vous allez nous guider pendant tout ce voyage en Sicile sur les momies de vos ancêtres. Je vous suis? Oui. Merci. La première étape de notre voyage au pays des momies nous emmène dans l'église du couvent des Capucins de Palerme. Cet ordre s'est établi sur l'île au premier tiers du XVIe siècle, après une scission avec les franciscains. C'est à eux qu'étaient confiés tous les rituels de momification qui ont tant marqué l'île. Nous avons la chance de croiser le chef de la paroisse, le père Domenico Statola, un moine capucin descendant direct de cette tradition. Merci mon père, merci beaucoup. Donc vous êtes un capucin? Oui, je fais partie de la fratrie des Capucins, fondée en 1528. Est-ce qu'on peut dire qu'en Sicile, les momies sont vraiment une spécialité des Capucins ou pas? Les gens ont voulu trouver un lieu pour être enterrés près des Capucins. Pourquoi? Parce que les Capucins assuraient même la nuit les prières pour les défunts. Nous devons nous projeter un peu à cette époque. Ceux qui étaient enterrés chez les Capucins savaient qu'ils étaient assurés. D'aller au paradis directement, c'est ça? Oui, absolument. Parce que toutes les nuits, les frères descendaient après leur prière de minuit et descendaient par une petite porte. Toujours aujourd'hui? Non, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, nous allons au lit à l'heure où nous devrions nous lever. Alors là, il y a une porte qui mène directement aux catacombes. Ils passaient, descendaient et faisaient la prière des défunts. Même les laïcs voulaient avoir cette garantie.
Pour cette raison, les catacombes ont commencé à s'ouvrir aux non-frères, aux différentes catégories et aux corporations de la vie quotidienne. Merci, mon père. Le moment est enfin venu de découvrir ces fameuses momies des catacombes de Palerme, considérées comme partie intégrante du patrimoine historique de la Sicile. Nous sommes ici dans la crypte des Capucins, et les plus grands complexes des momies italiennes. Et selon les sources historiques, ce sont 8000 momies, mais en réalité, nous avons seulement pas plus de 3000 momies. Louisa, ces momies, elles sont très bien conservées. Il y a même les vêtements encore des morts. Mais du coup, on peut savoir qui sont ces personnes-là? En l'occurrence, qui sont-ils? Nous sommes ici dans les couloirs des jeunes de métier. Les gens de métier. Oui, et en plus, nous avons des chapelles où se trouvent, par exemple, les prêtres, où se trouvent les vierges. Ils sont ici, les prêtres? Oui, exactement. Il y a les chasubles qui sont encore très bien conservés. Ils sont bien conservés, ils sont bien décorés avec des broderies. Les momies sont toutes personnes d'une importance particulière. Par exemple, nobles, les plus anciennes, et prêtres importants. Et après, les jeunes des métiers. Ce qui est intéressant, c'est que sur chaque mort, presque, il y a son nom. Sa date de naissance, oui, sa date de mort. Là, on a une femme qui a encore ses gants en cuir, on dirait, et un monsieur aussi qui l'accompagne. Ils sont bien habillés, ils sont élégants avec leurs petites cravates, leurs gilets, etc. Ce qui serait intéressant, c'est évidemment d'étudier sur le plan médical toutes ces momies. Il y a pas mal d'études, j'imagine, qui sont faites anthropologiques, paléopathologiques, sur ces momies. Étudier les momies est très important parce qu'elle nous fournit des informations sur la coutume, sur l'histoire, et sur la pratique sociale de la momification, le statut social et économique des personnes et d'entières familles, et en plus sur les pathologies, naturellement. Ce crâne-là, il est vraiment intéressant, Louisa. Vous voyez les petits trous qu'il y a sur la voûte crânienne? Eh bien, c'est un myélome, en fait, un cancer des os, complètement diffus. Oui, d'accord. Et c'est pas facile de le différencier des insectes, parce qu'évidemment, les insectes, ils ont mangé pas mal des tissus de ces crânes et de ces momies. Là, il y a une petite chapelle. Waouh! À lui, il a vraiment des très belles moustaches. Qui est ce monsieur, Louisa? Il est le vice-consul des États-Unis. Il est mort dans les 1911. 1911. Il est incroyablement bien conservé. Au bout de ce labyrinthe existe un couloir réservé uniquement aux familles. Nous y retrouvons le responsable des catacombes de Palerme, Fabrizio Fernandez. Il nous fait découvrir une momie un peu particulière. Bonjour, Fabrizio. Bonjour. Vous parlez français, je crois? Ah oui, un peu, ouais, j'ai parlé français. Alors, qu'est-ce qu'elle a de si particulier, cette petite Rosalia Lombardo? Ça, c'est une petite fille, c'est un momie. Oui. Et c'est il y a juste 2 années, et c'est de 1918 et 1920. Donc elle est morte en 1920. Ouais, juste 2 années. Et on sait de quoi elle est morte? Je sais que c'est un pneumonite ou bronchite. Je pneumonie. Ouais, ouais, c'est comme ça. Ah, c'est sûr, sans les antibiotiques en 1920, ça décanillait. Et en l'occurrence, pour se payer des soins d'embaumement, il faut être riche. À quel statut elle appartenait? Ça, c'est la famille très riche de la ville de Palerme. Très riche. Ça, c'est le docteur qui s'est... les amis de la famille. Mm-hmm. Alfredo Salafia, c'est un docteur très, très intéressant de la ville de Palerme, hein, à l'époque. Et je dis que c'est... Normalement, c'est difficile de faire les embaumés. Pourquoi? C'est... La loi, c'est interdit, ça. Ah, c'était hors la loi en 1920? Ouais. D'accord. Depuis quand c'était interdit? Première, c'est 1881. C'est terminé, ça. Pourquoi il y a les cimetières à côté? C'est normal, les cimetières. Et ça, c'est une exception pour la petite fille. Donc, ils ont obtenu une dérogation? Ouais, naturellement. D'accord. Après l'édit de Saint-Cloud. D'accord.
Et c'est un de vos collègues, d'ailleurs, Louisa, Dario Piombino Mascali, qui a étudié cette momie. Oui, exactement. Et il a mis en évidence, d'abord en faisant une radiographie de cette momie, et aussi en faisant des analyses toxicologiques, que c'était de l'oxyde de zinc qui avait été utilisé pour la momifier. Et c'est pour ça qu'elle garde son côté aussi naturel, aussi frais, et surtout sa couleur naturelle, sa couleur d'origine. Contrairement à toutes les autres momies qui sont blanches, cadavériques. Exactement. Cadavériques. Et un petit peu moins conservées, pour le coup. Mais où est-ce que ces momies étaient fabriquées, Fabrizio ? Alors, tous les travaux, il est fait ici à l'intérieur de catacombes, avec les capucins, les docteurs salafiens, naturellement. C'est fait ce travail ici. Il y a une chose très intéressante ici d'avoir, que moi seulement il y a l'écrit. Normalement, les touristes n'ont pas regardé l'intérieur. Oula. Mais pour vous, moi, je le fais regarder. Eh ben, que c'est très, très intéressant. Comment dire non ? On vous suit. Merci. Merci, Fabrizio. Nous sommes ici dans la chambre de momification avec l'égouttoir à basque. Et c'est ça, ici, c'est ça? Oui, ils sont communs des lits sur lesquels les corps étaient étendus et pour couler les liquides de putréfaction. Et il faut combien de temps pour faire une momie, à peu près? Ils dépendent, parce que normalement, ils sont 6 mois ou 8 mois ou après plus. Et les microclimats, normalement, qui favorisait le séchement de corps. Et justement, la Sicile est vraiment propice à ce dessèchement des corps. Qu'est-ce qui favorise ? C'est les cendres volcaniques, ce sont les embruns de la mer, le vent. Qu'est-ce qui fait que la Sicile est propice ? Normalement, dans les chambres de momification, la bonne aération. Mm-hmm. Et en plus, donc les microclimats et la bonne température constante. Ce qui est incroyable, Louisa, c'est que ces catacombes de Palerme, qui maintenant sont un musée, il y a une centaine d'années, c'était un lieu extrêmement vivant. Et les familles venaient ici, disposaient des tables et parlaient avec tous ces morts. Oui, exactement. À côté des cercueils, nous avons des ouvertures pour permettre aux parents et aux familles de venir et parler directement, regarder les défunts et parler avec les morts. Cette motivation est pour maintenir les rapports entre les mondes des vivants et des défunts, et donc pour la consolation des vivants. Cette momification est pour la consolation des vivants. Donc pour les vivants. Aujourd'hui, avec le temps et le travail des insectes, certaines momies ressemblent davantage à des squelettes qu'à des corps embaumés. Malgré ces altérations, elles exercent toujours la même fascination sur les visiteurs. D'abord réservée aux moines et aux prêtres, la momification s'est étendue aux classes dirigeantes de la société. Cette pratique fut à son apogée au XVIIe siècle et disparut progressivement vers la fin du XIXe. Les cimetières sont alors devenus les uniques lieux de sépulture. Ça fait du bien de remonter un petit peu à l'air libre, Louisa, et de sortir un peu des catacombes. Oui. Alors justement, des momies, il n'y en a plus maintenant? La pratique est complètement finie? Non, il est fini à partir de l'interdiction de l'édit de Saint-Cloud, l'édit de Napoléon. Et après, nous avons la laïcisation de la mort, et donc l'égalité devant la morte. Et l'édit de Saint-Cloud signait l'interdiction de la sépulture dans l'Église et donc la fin de la pratique de la momification définitive. Et donc la mort comme memento mori, la momification comme memento mori, il n'existe pas plus. Memento mori, ce sont les défunts, les cadavres, qui disent aux vivants, vous êtes ce que nous avons été, bientôt vous serez ce que nous sommes. Exactement. Santa Maria di Gesù, la première église de l'île construite par les jésuites au XVIe siècle. De style incontestablement baroque, elle recèle sous son sol une chambre de momification.
bon nombre d'églises à Palerme dissimulent de tels trésors insoupçonnés. Donc Louisa, il faut imaginer, puisqu'il y a des chambres de préparation de momies ici, sous nos pieds, que les momies, non, que les corps frais, étaient amenés directement là, depuis l'église, jusqu'à la chambre de momification. C'était... Exactement. Les corps étaient déposés dans la chambre de momification et après les procédés de momification, quand les corps se séchaient complètement, étaient rhabillés, désinfectés, rhabillés et directement ils se déposaient dans la sépulture de la crypte. Ici, nous sommes dans la chambre de momification. Et tu as les modèles basques et avec des petites tuiles qui servent pour couvrir l'ouverture et donc pour éviter que l'odeur de putréfaction exactement sortie jusqu'à la momification est terminée. Donc, regarde si tu veux. Et donc plutôt... là, on peut mettre une dizaine de personnes à peu près. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 corps au total en même temps. Oui, exactement. Et en plus, tu as tous les petites vasques qui sont parfaitement décorées à l'intérieur. Et au centre, tu as les trous pour recueillir les liquides de la putréfaction. Mm-hmm. Ah, c'est de la majolique, hein. C'est baroque. On est riche ici. Oui, ça va. En plus, regarde. Oui. Oui, de l'ardoise, oui. Exactement, ce sont les petites tuiles d'ardoise. Elles sont déposées juste pour couvrir l'odeur. De putréfaction. Nous prenons la route pour Savoca, un petit village de la côte est de la Sicile, situé sur les contreforts de l'Etna. La crypte du couvent de ce village recèle une trentaine de corps embaumés, considérés comme les mieux conservés de toute l'île et sur lesquels Louisa travaille depuis 10 ans. Louisa, je ne sais pas si c'est une impression, mais ça sent drôlement le soufre dans l'air. Comment ça se fait? Parce qu'on est très loin de l'Etna. Oui, ici nous sommes dans l'île volcanique. L'Etna, nous avons les poudres volcaniques qui sont dans l'air parce qu'il y a une éruption volcanique dans ce moment. Aujourd'hui, hier et encore les jours passés. Et la colonne de fumée est arrivée à une hauteur de 3 km d'hauteur. Donc les nuages qu'on voit ici, c'est des cendres de l'Etna. Ce sont les cendres de l'Etna qui tombaient quand c'est commence à devenir froid. Mais cet air-là, chargé de soufre, c'est ça qui favorise aussi la conservation des corps, j'imagine. Oui, grâce, merci à les cendres volcaniques. On voit bien l'éruption de l'Etna. Après plusieurs heures de route, nous atteignons enfin Savoca. Ma découverte du village débute par la visite d'une crypte souterraine, dans laquelle la momification se faisait en plaçant les corps en position assise. Une pratique peu commune en Sicile, mais qui a persisté dans quelques endroits. Et voilà, ici sont les sièges en pierre à trou central. Nous sommes dans la chambre des momifications avec les sièges en pierre.
Et donc là, il y a une, deux, trois, quatre, cinq momies. Ils sont assis. Assis comme ça? Oui, exactement, dans le siège. Et les liquides sont recueillis dans les trous centrales. Je comprends. Et le liquide s'écoule tout en bas? Exactement. D'accord, Louisa. Ok, d'accord. On y va, je retourne à travailler dans les couvents des Capucins. Les momies t'attendent. Oui, merci. Savoca est un petit village médiéval perché sur un piton rocheux à une vingtaine de kilomètres de Taormine, le Saint-Tropez de la Sicile. Sur la place du village, le bar Vitelli est célèbre pour avoir servi de décor à quelques scènes du Parrain, le fameux film de Francis Ford Coppola. Rien ne semble avoir changé depuis l'époque du tournage, il y a bientôt 30 ans. Buongiorno. Posso avere un cappuccino, per favore? C'est ici que travaille Louisa. Dans le cadre de son doctorat d'anthropologie, elle fréquente régulièrement les momies de Savoca, constituées essentiellement d'ecclésiastiques et de notables du village. Je la rejoins dans les sous-sols du couvent, qui est devenu son laboratoire. Louisa, je vois que vous êtes en blouse, avec masque, gants, on dirait oui. un chirurgien prêt à découper un corps. Oui, j'ai fait les mesurations des os, des momies, qui sont nécessaires pour la détermination de l'âge, du sexe, et pour voir, par exemple, en quel cas, la reconstruction du visage, pour voir s'ils sont originaires de la Sicile ou sont à l'étranger. Qu'est-ce qu'ils vous apprennent, tous ces patients? Toutes ces momies. J'ai trouvé différentes maladies sur cette momie. Et en plus, nous permet de faire un peu de paléodémographie et savoir l'état de santé de la population même. Et cet abbé, en l'occurrence, à quel âge est-il mort? Je pense qu'il est à un âge de 50 années ou 600. 60. Donc 50, 60. Il est un âge mature. Mm-mm. Donc dans toutes ces caisses, il y a des momies. Oui, naturellement, ils sont 37 individus. Et en plus, tu as des magnifiques cercueils oui. Qui sont richement décorés. Michele Trimarchi. Exactement, il est un avocat. Il était. D'accord. Et encore dans des habits d'apparat, on a encore son petit foulard en soie. Son gilet en coton, la veste noire. Ici, on a les mains qui sont très belles, très longues, longilignes, bien conservées. Le bassin, le pantalon. Et on descend jusqu'au bas de soie ou en flanelle, avec les chaussures en cuir, avec encore les petits lacets. C'est un voyage dans le temps, ces momies. C'est vraiment un voyage oui, dans le temps. Oui, ce sont les milieux conservés de toute la Sicile. De toute la Sicile. Et vous voulez vous faire embaumer plus tard ou pas? Non, il n'y a pas possible. La loi italienne ne l'a pas permis plus. Ah bon? Même avec du formol ou du savon, on ne peut pas? On ne peut pas se faire embaumer? Non. Merci, Louisa. Les travaux de Louisa permettent de connaître davantage l'histoire de la population locale, à la fois sur le plan sanitaire et sur celui de leur mode de vie. Il confirme également que la momification fut une pratique bien enracinée dans le monde sicilien. Et qui a perduré après les décrets d'interdiction. Sur cette île ensoleillée persiste un peuple de l'ombre. Ce sont ces milliers de momies siciliennes exposées dans les cryptes et les couvents.
Loin d'être tombées définitivement dans l'oubli, ces momies sont désormais étudiées pour approfondir notre connaissance du passé, mais aussi faire en sorte que les morts soient utiles aux vivants.